Oui, bonjour. Alors, je suis venu vous expliquer en quelques mots le nouveau principe du pass sanitaire qui passe au pass vaccinal et le nouveau protocole, les nouvelles mesures sanitaires qui nous sont imposées en France. Alors, j'ai amené quelques notes. Alors, bon, déjà, ce qu'il faut savoir tout de suite, c'est que, bon, donc, si vous avez attrapé le virus Covid, alors, ce qu'il faut faire, c'est, bon, bah, déjà, vous allez vous détecter. Alors, il faut faire une première détection avec un test antigénique. Ensuite, pour confirmer, bon, bah, c'est le test PCR. Après, vous restez à la maison. Alors, si vous avez le Omicron, alors vous restez à la maison. Est-ce que c'est pas comme le virus Delta? C'est plus complexe. Alors, attends, j'avais pris des notes. Alors, vous attrapez le virus, donc vous vous faites détecter, et après vous vous isolez à la maison. Attendez, j'avais noté quelque part, 8 jours. Vous restez chez vous. Ensuite, parce que, alors, ce qu'il faut faire, c'est hyper important, parce que là, les gens, ils comprennent pas tout, alors que pourtant c'est quand même assez pas trop compliqué. Donc vous avez fait le test, parce qu'après vous vous dites, bon, bah, je vais me faire vacciner, mon premier, mon deuxième ou mon troisième vaccin, parce que faut voir avant le quatrième. Et puis, alors, dans ces cas-là, pour se vacciner, si vous avez eu le, attends, je l'avais noté ça, hein, oui, non, ça doit être, alors, bon, ce qu'il faut faire, c'est pas paniquer, c'est parce qu'en fait c'est simple, les mesures sanitaires, hein, la distanciation physique toujours. D'ailleurs, excusez-moi. Oui. Et attendez, je crois qu'on est par mes pieds là. J'ai l'impression qu'il y en a deux ou trois qui n'ont pas suivi. Je reprends donc tout du début. Donc, à propos des nouvelles mesures sanitaires, c'est parce que si t'as